Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de Christo et Jeanne-Claude. Vous savez, c'est ce fameux couple qui a empaqueté le Pont-Neuf, le Reichstag, et qui a véritablement posé un regard extrêmement original sur nos monuments, mais aussi, ça on le sait moins, sur nombre de paysages, que ce soit en Floride, que ce soit à Hyde Park, à New York, ou encore avec des échanges entre le Japon, les États-Unis. Ce sont deux artistes. Alors, on va dire l'artiste dessinateur, celui qui a une formation classique en Hongrie, c'est Christo. Et c'est lui qui vient en France, qui rencontre son épouse, Jeanne-Claude, qui dit oh, « elle est tellement flamboyante que j'ai envie de l'empaqueter ». Et ça commence comme ça. Et Jeanne-Claude, ça va être vraiment celle qui s'occupe des finances, qui s'occupe des contrats, qui va permettre de réaliser les projets. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour emblématique qu'il soit, ces projets peuvent parfois être extrêmement compliqués à mettre en place, durer 10 ans. Et si vous voulez, ça n'est pas le résultat de 2 semaines d'empaquetage, mais c'est tout le processus qui entre véritablement dans l'œuvre d'art, à savoir que l'ensemble des œuvres de Christo et Jeanne-Claude sont autofinancées, ça veut dire qu'on vend les dessins que réalise et signe Christo, qui sont de multiples dessins préparatoires, parfois il va rajouter aussi des morceaux de tissu qu'il va utiliser pour empaqueter. Et au final, on a, vous voyez, un projet qui est véritablement un projet de réconciliation, en quelque sorte, entre une dimension de la nature et une dimension de la ville. Et souvenez-vous, pour avoir marché peut-être sur le Pont-Neuf ou avoir assisté avec une foule extrêmement émue à cet empaquetage du Reichstag, la façon dont ils vont réussir à sublimer en quelque sorte le souvenir, l'histoire qui nous concerne tous. Et c'est assez extraordinaire, c'est que finalement en cachant, on révèle. Voilà, vous aurez toute l'histoire de Christo et Jeanne-Claude à l'occasion de ce cours.